Bonjour à tous, il est 14h pile et je vous souhaite la bienvenue au live du Journal du Golf. Vous connaissez la coutume, je remercie toujours Rémi Rivière qui est aux manettes et qui nous permet de produire cette émission en direct. Merci Rémi. Et je vous félicite de votre fidélité puisque dès la prise d'antenne, nous sommes déjà, enfin vous êtes déjà 82 personnes à être connectées. Vous m'avez déjà envoyé des pouces pour me dire si vous m'entendez et si vous me voyez correctement. Et je vais commencer par remercier Reynald de Baya qui est parmi nous et que je vais sûrement bientôt appeler concernant une émission spéciale sur les enfants, et on expliquera un petit peu aux parents quel rôle ils peuvent jouer dans le projet sportif de leur enfant, comment occuper les enfants pendant ce confinement. Je remercie Jérôme d'être là, Sylvain, Philippe, Emeric, Patrice, Sébastien et Henri, voilà, tout le monde est là. Alors, non Sébastien, aujourd'hui le live n'est pas en plein air. Je suis à la maison, le fond vert laisse à penser que je suis à la montagne, mais pas du tout. Par contre, mon invité, lui, sera en extérieur. Le thème d'aujourd'hui, c'est Right Balance. En compagnie d'un enseignant qui s'appelle Julien Dénu. Vous verrez, c'est une... Alors, on en parlera justement avec lui. Est-ce que c'est une nouvelle méthode? Est-ce que c'est une approche? En tout cas, ça fait appel aux préférences motrices. Jean, bonjour. Bertrand, Patrick, Stéphane Chardon, bonjour à tous. Alors, avant de commencer ce live, où on va parler quand même un petit peu de technique et d'anatomie, je voulais faire un clin d'œil et commencer par voilà quelque chose d'un petit peu rigolo. Voilà, je voulais alors déjà féliciter Adrien Dubois, qui est un enseignant qui, pendant le confinement, propose des lives, des exercices à réaliser chez vous et qui a aussi une académie en ligne. Donc, je voulais le féliciter pour son engagement pour les golfeurs. Et voilà, comme moi, il a de temps en temps sur ses lives des invités. Voilà, on a tous les deux des chats qui viennent nous embêter pendant nos lives. Donc, voilà, je voulais commencer par ce petit clin d'œil humoristique. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Passons aux choses sérieuses. Je ne sais pas si c'est très sérieux. Ça reste du golf. Mais en tout cas, mon invité... Toc, bonjour, Julien Dénu. Bonjour Rémi. Ça va? Oh, très bien. Bon, dis-moi, tu t'es mis en extérieur, là? Tu t'es mis bien au soleil de Normandie? Exactement, avec le beau ciel bleu normand. Alors, je l'ai dit, on va passer aux choses sérieuses. Je ne sais pas si c'est si sérieux que ça, le golf, hein, ça reste quand même un amusement. Et en fait, donc tu es formé à... Alors, on va se mettre d'accord sur le mot. Est-ce que c'est une méthode? Est-ce que c'est une approche? Est-ce que toi, tu le considères simplement comme un outil supplémentaire, comme pourrait l'être la vidéo ou un trackman? En tout cas, tu es formé à Right Balance. Alors, je vais mettre le logo de Right Balance. Toc, voilà, pour qu'on le sache l'écrire. Et déjà, qu'est-ce que c'est Right Balance? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, Right Balance, Right, c'est le nom de, on va dire, de l'inventeur et surtout du chercheur qui a mis tous ces éléments en place, qui s'appelle le Doc Wright, qui a fait ça fait 26 ans, 27 ans de recherche maintenant sur l'équilibre, sur la relation entre l'écartement des pieds et l'équilibre. Ça continue encore à évoluer sans cesse sur beaucoup de protocoles qu'il met en place, mais c'est pour ça que ça s'appelle Right Balance. C'est vraiment son nom avec l'équilibre qui est tout de suite en partie. D'accord, donc puisque toi tu n'as pas le retour, et je l'explique à nos internautes,
J'ai mis la photo justement du docteur Wright juste à tes côtés. Vous êtes presque en écran partagé avec le docteur Wright. Ce qui veut dire que là, tout ce que tu vas nous expliquer cet après-midi pendant l'émission, ce sont des choses qui ont été confirmées, prouvées scientifiquement et c'est argumenté par des recherches scientifiques. C'est ça? Exactement, il a toute une équipe avec lui de grands scientifiques aux États-Unis avec qui il travaille. Tout est très bien expliqué sur son site, il vient de le refaire, donc il y a beaucoup d'explications, mais c'est vraiment des recherches purement scientifiques. D'accord. Alors, justement, je comment j'ai mis le site ridebalance.com, www. Les slash et tout ça, hein, ça vous saurez le faire. Déjà, moi, je tenais à te remercier parce que je trouve que pour un enseignant, puisque tu es, et c'est ce qui vraiment m'intéressait. Alors, on va pas faire comme si on se connaissait pas. Je connais très très bien Julien, on est même amis. Ce que j'aime justement, moi, je voulais pas un formateur Right Balance, je voulais pas quelqu'un. Je voulais un enseignant, quelqu'un qui l'utilise tous les jours, et je voulais quelqu'un qui parle avec le cœur. Et c'est pour ça que Julien, je t'ai invité. Ce que j'aime aussi, et ça, je tenais à le dire à tous les internautes, c'est que tu ne fais pas partie de ces profs qui ont des secrets ou qui gardent les choses. Et voilà, dès le début de cette émission, je tenais à te remercier de ton ouverture d'esprit et de ton envie de partager et d'échanger. Et c'est dans cet esprit que nous allons faire cette émission. Et donc les gens pourront poser des questions, laisser des commentaires. Et voilà, c'est vraiment un moment de partage et d'interactivité. Et te remercier justement de donner le nom du site, l'adresse du site, pour que justement on puisse aller consulter, voir, et que tout ça ne soit pas gardé, chasse gardée. Voilà, donc merci beaucoup. Alors, quels sont les principes de Right Balance? Donc on l'a compris, Right c'est donc le nom du docteur, je vais le remettre un petit peu en photo, et Balance, donc tout est basé sur l'équilibre en fait. Exactement, c'est la recherche d'optimisation de l'équilibre, de comprendre les liens qu'il peut y avoir justement, alors entre l'écartement des pieds, qui est une des premières choses très importantes dans cette, alors j'aime pas dire méthode, mais dans ce protocole, D'accord. différents écartements de pieds qu'on peut tester, on le verra par la suite, et que tout est lié. Donc il y a énormément de choses derrière, mais c'est lié à la taille du grip. Qui va aussi influencer l'équilibre, ça va être lié aux angles que l'on va avoir en posture. Donc tout peut être mesuré, tout est mesurable, et pour le bien-être surtout de l'élève, ça on y reviendra, mais c'est quelque chose qui est assez assez bluffant à ce niveau-là. Quand tu dis, alors, ok, hein, je vais essayer. Je te promets rien, Julien. Je vais essayer durant l'émission justement d'utiliser le mot protocole. Moi, ce que j'aime là dans tes premiers propos, c'est le fait que un, il y a une équipe de chercheurs qui vérifie tout ça et que tout ça soit mesurable. Donc, moi, tu le sais, hein, il n'y a pas plus factuel que moi. Donc j'aime bien les choses qui sont vérifiables, qui sont mesurables et que l'on arrive à argumenter et à prouver. Alors quand tu parles de protocole et de mesure, qu'est-ce que vous allez mesurer? Alors, les mesures, comme tu vas le voir, sont des mesures qui bougent peu dans le temps, sauf chez les jeunes, on pourra y revenir. Mais les mesures qui sont prises en compte, c'est la taille du joueur, son D'accord. poids, sa pointure, et ensuite deux mesures que l'on va faire au niveau des épaules et au niveau de la largeur du tronc. Donc, une fois qu'on aura toutes ces mesures-là, ça suffit. Ensuite, grâce à un algorithme très puissant qu'a développé Doc Wright, on reçoit des résultats immédiatement vont nous permettre de tester avec le joueur aussi rapidement possible les bonnes solutions. D'accord. Alors, tu le disais, donc
Ce sont des choses qui sont mesurables et qui oui qui en fait c'est pas il n'y a pas de test alors c'est que des mesures ou est-ce que vous faites des tests comme dans d'autres méthodes où on teste l'équilibre? Alors la première partie, c'est uniquement des mesures pour pouvoir avoir les 9 positions sur lesquelles on pourra tester le joueur ou dans lesquelles il pourrait être équilibré d'ailleurs, dans les 9, qui sont des positions uniques, individuelles, D'accord. écartement de pied, parce que dans tout ce protocole, il y a une grosse partie aussi où on peut rééquilibrer le corps pour vraiment prévenir des blessures. Qui est indépendant même du golf, c'est quelque chose d'assez fantastique par rapport à ça. Et là, ça évolue à grands pas. Doc Wright évolue à grands pas, nous envoie très souvent des messages pour nous montrer comment ces recherches évoluent. Et c'est tes positions à toi qu'on peut avoir sur une baguette. Donc, si vous voyez des gens avec des baguettes, avec des scotchs un peu partout, vous pouvez comprendre qu'ils sont passés par cette méthode ou par ce protocole White Balance en tout cas. On va par la suite pouvoir tester pour voir s'il y a une position préférentielle, ce qui ne veut pas dire que c'est la position dans laquelle on fera automatiquement jouer le joueur. On est avant tout aussi à l'écoute du joueur, de son passé, de ce qu'il sait faire, de ses capacités physiques. Et on peut réussir à être équilibré dans toutes ces positions-là en respectant certaines choses. Alors, bah, moi j'adore, hein. Moi je trouve que les premières minutes d'une leçon de golf avec un élève doivent être consacrées, même avant même l'observation, doivent être consacrées justement à la mise en place d'un dialogue. Et je le dis toujours, si tu veux avoir les bonnes réponses, pose les bonnes questions. Donc là, c'est ça, quoi. On peut, hein, moi j'adore, hein, on peut commencer par ça. C'est toi, lorsque tu l'utilises dans tes leçons, déjà, un, tu commences par poser les questions avant même de mesurer. Tu demandes, quelles sont vos attentes, est-ce que vous avez des blessures, des choses comme ça, c'est ça? Ah bien sûr, de toute façon, ça c'est, je suis comme toi, j'ai besoin de connaître la personne qui vient me voir, ses objectifs, pourquoi elle vient, et donc il y a une grosse phase de questionnement de toute manière pour connaître le joueur, essayer de creuser et puis aussi d'aller chercher dans le langage non verbal ce qu'on peut retrouver là-dessus. Donc tu en as déjà parlé, mais c'est vrai que moi je suis formé aussi à la PNL, donc j'essaye de m'intéresser au joueur dans sa globalité. Et c'est un outil qui va vraiment m'aider ensuite à amener des réponses scientifiques, des réponses qui vont être très fiables, où le joueur va se sentir très rapidement bien dans ce qu'on va lui dire. Souvent, les retours que j'ai assez rapidement quand on met ça, c'est Ah, mais je faisais ça avant, mais j'ai arrêté. Ça, je l'ai entendu plein de fois. Je faisais ça avant, mais je l'ai arrêté. Donc, c'est de retrouver aussi quelque chose d'un peu plus naturel. Et puis, on reste à l'écoute du joueur, mais en lui amenant des réponses aussi qui sont intéressantes au niveau, comme au niveau scientifique. C'est que par les tests, par la suite que l'on fait sur l'équilibre, le joueur s'aperçoit par lui-même de la qualité de ce qu'on est en train de lui dire, puisque c'est assez bluffant. Et là, je fais une petite parenthèse pour remercier énormément deux personnes qui sont John Lawson et Laurent Poncelet, qui ont amené cette méthode, en tout cas en France, John Lawson étant l'ambassadeur Europe pour White Balance, Laurent Poncelet qui a fait les formations avec lui aux États-Unis et qui nous ont permis, nous, pro-français, de découvrir ce magnifique système. Donc, je les remercie grandement. Ils sont toujours à l'écoute, en plus, la moindre question. Alors, ce qui est amusant, puisque je redis pour les internautes, qu'en fait, tu n'as pas de retour de l'image, mais que je place les commentaires de Laurent Poncelet, de David Guéné et de John Lawson en même temps que tu étais en train de le dire. Et en effet, on peut remercier les spécialistes. Et je disais tout à l'heure que je t'avais choisi aussi parce que tu l'utilises et que c'était sympa d'avoir un utilisateur. J'ai aussi montré la fameuse baguette
dont tu parlais tout à l'heure, avec voilà, je l'ai montré en photo, je l'ai montré à l'image. Alors, est-ce que tu peux parce que alors j'ai une question hein, puisque c'est interactif, donc ne t'inquiète pas si quelquefois on va être coupé par des questions hein, c'est la façon dont fonctionne ce live en direct. Sébastien, ne sois pas impatient puisqu'il nous demande quelle est la différence entre Right Balance et Action Type. On en discutera à la fin, justement, des différences entre bio swing dynamique, Right Balance, Action Type, Smart to Move avec l'équilibre et tout ça. Et on verra que vous n'êtes pas concurrents. La preuve, c'est qu'on parlait tout à l'heure de Laurent Poncelet ou on parlait de John Lawson ou... Et il y a des pros qui ont fait les différentes formations et qui vont piocher un petit peu partout. Donc il n'y a pas de concurrence et il n'y a pas cet état d'esprit de voir la différence. Moi, quand j'entends parler de Right Balance, à chaque fois j'entends oui, il est upper core, lower core, middle core. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Explique-nous. J'allais dire c'est du latin. Non, c'est pas du latin, c'est de l'anglais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus déjà sur ces principes de Right Balance? Alors, c'est vrai que c'est au cœur de la méthode de Right Balance. C'est bien de dire ça comme ça, puisque le corps, on pourrait le traduire par noyau, cœur de l'équilibre. Ils ont déterminé avec tous les scientifiques 9 régions dans lesquelles on peut avoir ce noyau d'équilibre, ce centre d'équilibre, donc qui sont numérotés de 1 à 9. C'est pour ça qu'on a 9 traits sur notre baguette. Et à l'intérieur de ces 9, il y a 3 familles. Donc les plus basses, les lower core, celles du milieu, les middle core, et celles d'en haut, les upper core. Donc c'est là où le mot corps, c'est le noyau un peu de tout ça qui va nous... Pour ça que tu entends parler de ces fameuses catégories qui peuvent aider par la suite en termes de cohérence biomécanique du mouvement. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'utilise beaucoup dans mes leçons. On pourra revenir là-dessus plus tard, mais ça donne vraiment des préférences et des manières de pouvoir bouger en liberté ou alors... des contraintes qui vont être amenées dans certaines positions, mais voilà, c'est il y a une image, j'imagine que tu vas la mettre, où on voit justement les 9 régions qui partent vraiment de en haut des jambes et qui vont jusqu'au niveau ensuite juste au-dessus des épaules. Voilà, donc oui, en effet, hein, puisque je fais ton assistant, Julien, oui, j'ai mis l'image du squelette. Et avec les différents étages. Donc en fait, et là je vais remettre l'image de l'écartement des pieds pour que tout le monde voit bien. Donc là on reconnaît sur la baguette qui est sur la pointe de tes pieds, on reconnaît donc des scotchs bleus, des scotchs rouges et des scotchs noirs, donc qui correspondent. Alors, dis-moi hein, si j'ai bien compris, et si moi j'ai compris, normalement tout le monde a compris. Si j'ai bien compris, on a trois étages d'équilibre, bleu, rouge et noir, upper, lower, middle, en anglais, hein, le bas, le milieu, le haut, tu l'as très bien dit. Et par rapport à ça, je mets des morceaux de scotch, alors sûrement pas par hasard, sur une baguette, et cette baguette me permet après d'avoir un écartement de pied qui suit mes préférences. J'ai à peu près compris. Tu as à peu près compris. On va dire un peu. Bon, ça va, frère. Alors, ouais, quand. Justement, numéroté de 1 à 9. Ouais. Donc on a les 9 positions, les 9 régions du corps qui sont sur cette baguette, qui vont être utilisées pour les tests ou alors pour rééquilibrer le corps. Par des exercices physiques qui sont très simples, hein. C'est ça qui est aussi super et qui prennent de moins en moins de temps avec les nouveaux protocoles qui sont mis en place par le Doc Wright. C'est pas seulement les écartements qu'on va utiliser tout le temps, il y en a d'autres. C'est là où ça devient aussi intéressant, c'est que ça, c'est la base pour pouvoir déterminer notre région dominante
ou la région dans laquelle on va pouvoir jouer, même si elle n'est pas dominante, parce qu'il peut y avoir une région dominante, mais dans laquelle on n'a pas la capacité physique de pouvoir se mettre dans la posture ou dans la position dans certains moments du swing pour utiliser cette région dominante que l'on a. Et dans ce cas-là, on basculera dans une région qui est, alors souvent c'est quand on est lower, on va basculer en middle, ou quand on est upper, on bascule en middle. C'est ce qui, le middle va souvent permettre de trouver des solutions proches. Mais c'est vraiment, on s'adapte à l'élève. Donc on a des positions sur lesquelles on peut travailler. Alors, pour que les gens se rendent un petit peu mieux compte de ce que ça fait, on avait tourné un petit reportage avant le confinement, évidemment. Hein, je tiens à préciser que ça a été tourné avant. Et donc, une petite vidéo qui explique comment fonctionne Right Balance. Allez, on se retrouve après ça. C'est bon. Bonjour. Je me trouve à Mobutini à l'occasion du Pro-Am Lexus et je viens de croiser un pro et ami qui s'appelle Julien Dénu et il est profiler. Alors, professeur de golf évidemment. Julien, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Profiler, Rémi, c'est un bien grand mot. Je suis certifié White Balance, level 5, et en collectant des données qui sont à peu près invariables, qui sont telles que le poids, la taille, la pointure de chaussure, largeur de tronc et du buste, on arrive à déterminer l'écartement optimal pour que vous soyez équilibré pendant votre mouvement. Donc en fait, par rapport à ces données, tu vas trouver le swing le mieux adapté pour que le joueur soit performant. Exactement. Déjà, l'écartement, la posture, tout ce qui va être équilibre et du coup le swing aussi où il sera le plus performant. Alors, montrons quelques exemples. Moi, l'exemple qui me parle beaucoup, c'est par rapport à l'écartement des pieds. Donc là, je vais me mettre dans mon écartement optimal en prenant de l'élan. Et regardez bien, avec son écartement optimum, il arrive à résister. Donc là, je vais changer mon écartement de juste 2 cm. Je fais la même posture, même prise d'élan. Et là, on voit qu'il résiste beaucoup moins bien. Alors, un deuxième exemple qui me plaît beaucoup, Julien, c'est par rapport à la grosseur du grip. Alors pareil, par des données que l'on va prendre sur le joueur, sur la main gauche, main droite, on arrive à déterminer le grip qui va vous permettre d'être en équilibre le plus facilement possible et également de résister, donc de générer plus de puissance. Allez, montrons un exemple. Donc je vais prendre le club de Rémi dans un premier temps, me remettre dans ma position. Et là, je n'arrive pas à résister. Là où je résistais tout à l'heure sans club. Je vais prendre mon club avec un grip sur mesure qui a été grossi pour ma part. Ah là, je vous promets que ça résiste. Et là, ça bouge plus. Très bien. J'espère, à travers ces deux exemples, avoir suscité votre curiosité. Et nous allons pouvoir engager une conversation, un débat, puisque vous le savez, cette émission est en direct et vous pouvez poser les questions que vous souhaitez et nous y répondrons. Merci Julien. Merci Rémi. Et à bientôt. Voilà, donc nous revoilà Julien. Alors là, dans le petit reportage que nous avions tourné, en fait, on a vu une autre chose dont on va sûrement parler, c'est l'influence de la taille du grip sur l'équilibre et donc sur le swing. Ça, c'est aussi un élément que tu prends en compte. Exactement. Donc c'est à ma connaissance quasiment le seul moyen de scientifique, en tout cas, de trouver la bonne taille de grip pour l'élève, à savoir ensuite qu'il faut passer par peut-être une phase d'adaptation ou d'acceptation quand il y a vraiment des changements importants. Donc on peut les moduler régulièrement là-dessus, pas forcément aller tout de suite dans des très gros changements. Et puis bon, c'est quand même à tester également. Mais c'est vrai qu'il y a des tests. Alors moi, j'ai eu la chance de le faire directement avec John Lawson sur des plaques de force. Je l'ai fait pour moi au départ. Donc
sans le club, j'étais parfaitement équilibré avec le bon écartement et le protocole de mise en place en posture. Avec mon club, un déséquilibre se crée. Et lorsqu'il m'a donné la bonne taille de grip après les mesures, mon équilibre était de nouveau excellent devant la balle. Donc c'est vrai que c'est assez bluffant par rapport à ça, le changement que ça peut avoir. Et ensuite, quand on est à l'écoute un peu de soi et qu'on regarde et qu'on laisse un peu, on va dire, faire les choses, on peut le remarquer très vite, de sentir. Et moi, je le vois également sur l'influence que ça peut avoir sur le plan de swing, où un grip trop fin peut vite amener un club à croiser en haut de l'élan, un grip trop gros peut amener un club un peu plus à plat, un déséquilibre même en posture qui peut se ressentir. Alors, il peut encore une nouvelle fois y avoir des compensations, donc rien n'est marqué dans le marbre. Ouais. Mais en règle générale, un grip trop gros va plutôt déséquilibrer vers les talons, alors qu'un grip trop fin va vous déséquilibrer vers l'avant. Donc, on peut ressentir et des choses et avoir après une réponse et tester. Donc, ça pour le tester, on le mesure également. C'est assez facile et c'est vrai que ça parle énormément. Alors, l'exemple pour moi, je vais me prendre en tant que joueur. J'en aurai beaucoup sur les élèves que j'ai eus, mais en tant que joueur, je suis passé d'un grip que j'avais depuis au moins 10 ans sur un du mid-size, un couche et puis deux couches sur la main droite. C'est ce que je mettais en règle générale. Et maintenant, j'ai du mid-size 6 couches. D'accord. Ce qui est quand même bien plus gros. Et depuis que j'ai mis ça en place, je me sens nettement mieux dans mon jeu. J'avais une douleur au poignet qui arrivait quand je m'entraînais régulièrement. Je n'ai plus jamais eu cette douleur au poignet. Est-ce que c'est vraiment juste par ça ou par tout le reste que j'avais fait à côté? Ça, on le saura jamais, mais en tout cas, je l'ai constaté. Et j'ai eu énormément de bons retours des élèves quand on a fait des modifications de taille de grip. Alors, tu disais tout à l'heure que rien n'est gravé dans le marbre, qu'il y a énormément d'échanges et de discussions avec tes élèves. Quels sont les bénéfices de cette méthode ou de ce protocole? Parce que là, en fait, pour l'instant, tu nous as pas... Alors déjà, c'est bien parce que tu nous vends rien du tout, tu n'as rien à nous vendre. Mais tu nous as pas du tout vendu le gain de distance, qu'on allait taper plus loin et tout ça. Moi, pour l'instant, ce que j'ai entendu, c'est avec Red Balance, je trouve le bon équilibre et du coup, plus de stabilité. Pour l'instant, tu es en train de me dire pas de blessure. C'est quoi alors les bénéfices? Alors, les bénéfices sont multiples. Bon, après, c'est comme dans tout ce qu'on va faire pour être justement dans le bien-être de l'élève. Donc là, on a le côté scientifique sur le fait qu'on va avoir un écartement sur lequel on va pouvoir vraiment travailler précis, sur lequel l'élève peut se reposer, donc ce qui lui amène aussi une confiance, puisque le fait d'avoir quelque chose, pour la plupart, hein, pas pour tous les élèves, mais pour beaucoup d'élèves, d'avoir quelque chose de précis et de savoir que par les tests que l'on a fait au préalable, c'est quelque chose qui leur correspond, leur amène de la confiance, leur amène une certitude. De là, on va augmenter l'équilibre par la qualité de posture qu'on va mettre en place en fonction de la région, du corps dominante. Puis, une fois qu'on aura fait ça, l'équilibre sera amélioré, l'équilibre statique mais aussi dynamique. Meilleur équilibre dynamique, meilleur centrage, meilleure capacité de générer de la vitesse. Donc, si on génère plus de vitesse, qu'on centre mieux l'impact, gain de distance. Ouais. C'est vrai que les élèves avec qui j'ai fait ça, alors je n'ai pas d'outils de TrackMan mais ni de FlyScope, j'ai des petits radars qui peuvent m'aider, mais il y a un gain en tout cas de distance que l'on peut voir et l'élève le voit très rapidement. Les bénéfices sont vraiment là-dessus. Par la suite, mais c'est avec une toute petite quantité d'élèves qui ont voulu aller pousser un peu les choses sur le rééquilibrage du corps. Alors le corps en général, pas le corps sur RE. Donc équilibrage total, où là les exercices sont à faire régulièrement. C'est un bien-être physique, qui est quand même assez agréable. Donc moi j'en profite là, pendant cette période de confinement pour justement le refaire également. Et
Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, quelque chose sûrement que j'ai oublié de dire ou alors on n'a pas venu, mais dans le questionnement que je fais au départ aussi avec les élèves, on montre très rapidement à l'élève que dans la position qu'il a, naturellement, il n'est pas équilibré. Ah ouais ? Et ça, c'est assez bluffant de le voir. Tous les tests, juste d'observation, sans toucher à la personne, dans l'écartement qu'il souhaite. Donc, il y a différents tests. Bon, rapidement, je ne sais pas comment je me mette pour que vous me voyez, mais en mettant les mains à hauteur ici, les mains vont être décalées. On peut remarquer une épaule plus basse qu'une autre. On peut remarquer beaucoup de choses là-dessus qui, par la suite, l'inclinaison des mains qui ne va pas être la même. J'ai une image qui est troublante. Là où on te voit debout avec des cartes de visite entre les doigts et suivant comment tu te places, tes mains sont orientées de façon différente. Est-ce que ça veut dire suivant l'écartement de mes pieds, ça peut avoir une influence sur la façon dont je vais tenir mon club? Alors, ça va surtout avoir une influence sur la cohérence de la manière dont on va tenir le club. Parce qu'on peut toujours tenir le club de la même manière. Si on va mettre le club à tel endroit dans les doigts, comme on a envie, etc., on va le tenir de la même manière. Sauf que, intrinsèquement, les poignées seront soit en contrainte, soit au contraire seront soulagées. D'accord. Donc, ça peut du coup engendrer, on va avoir les mains qui seront posées pareil, mais ça va engendrer des conséquences plutôt d'orientation de face de club. Là, pareil, il y a des tests dessus, il y a une image, une vidéo tournée avec Montgomery, qui allait voir Doc Wright directement chez lui, où on voit justement qu'en fonction de l'écartement de ses pieds, sa face de putter est square ou ne l'est pas. Il a le même grip. C'est quand même Montgomery, il n'est pas là pour faire de la pub, hein, c'est pas son style. Donc on peut lui faire confiance. Et de toute façon, sur la vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube, où vraiment Doc Wright partage énormément de vidéos sur YouTube, il y a beaucoup de choses qui sont bluffantes. Alors pour revenir là-dessus, la meilleure manière dont j'ai trouvé pour parler de White Balance à mes élèves, c'est pas en individuel, c'est en faisant des journées, des demi-journées consacrées à White Balance. Donc c'est ce que j'avais mis en place avec un ancien collègue, Cédric Arcivaux, au Golfe de Saint-Marc, qui est également formé White Balance. Et on prenait entre 8 et 12 personnes sur la journée totalement, puisque les joueurs se faisaient les tests entre eux. C'était vraiment hyper interactif. Et c'est toujours surprenant d'être surpris soi-même, mais d'être aussi surpris par l'autre. Donc, c'est encore plus vivant. Alors, c'est vraiment fantastique de faire passer ce message. Alors, plein de choses. Hein. Je crois que ça, le sujet passionne. Il y a Jean-Ignace Mouika qui est un ancien joueur professionnel. Qui nous pose la question qui propose cette méthode sur la côte basque? Laurent Poncelet, qui est au golf, voilà, au golf d'Osgore. Et tiens, c'est Charles Dubois qui a répondu avant moi. Et là, moi, ce que je suis en train d'entendre et ce que je suis en train de comprendre, c'est que même si je vais sur le site Right Balance, même si ce que tu dis est très intéressant, et même si je regarde l'émission en replay, en fait, là, on est en train de prendre conscience de l'importance du protocole, de l'importance des mesures. Mais quoi qu'il arrive, et si je veux avoir les bénéfices dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un bon équilibre, prévenir les blessures, avoir plus confiance, si je veux avoir un meilleur alignement, et on va en parler, si je veux avoir un grip qui est adapté à mes mains, tout ça, en fait, il faut que j'aille voir quelqu'un qui est formé et quelqu'un qui va... Parce que là, on n'est plus dans la devinette. On peut plus naviguer à vue, là. Là, il faut voir un spécialiste. C'est ça. On navigue pas à vue. C'est aussi, moi, ce qui m'a sensibilisé dans tout ça, c'est que, justement, ça a amené des réponses
à des questions que moi je me posais, je m'en pose toujours, hein, comme toi Rémi, je me pose sans arrêt des questions sur le métier que l'on fait. Et c'est alors, moi j'ai dit que j'ai dit que le jour où j'arrêterai de me poser des questions, le jour où je penserai tout savoir, j'arrête d'enseigner. Parce qu'un enseignant qui croit tout savoir, faut qu'il change de métier, le gars. Donc ouais, c'est voilà. Donc tout à fait. Entièrement d'accord. Je reviens et je remets la question. Il y a Hassan qui nous dit est-ce qu'il y a des applications sur le potting? Alors je vais remettre la photo de Colin Montgomery. Oui, il y a des applications y compris au potting. Et tu parlais tout à l'heure du côté bluffant qu'ont les démonstrations sur les amis. Je te propose de regarder alors ne nous en veuillez pas, la vidéo n'est pas d'une extrême qualité, hein. C'est une vidéo qu'on a été récupérée sur la page Facebook de nos copains. En fait, c'est la vidéo, tu sais, avec Cédric Arcivo. Alors vous allez voir que ça n'est absolument pas tourné par Laurent Poncelet. Et donc c'est absolument pas une mise en scène, c'est vraiment la réalité, et c'est un pro de golf qui enseigne à Saint-Marc, donc regardez bien, c'est assez... Ça correspond aux écartements des pieds, si tu regardes la vidéo. Il est plus fort en position numéro 2. Numéro 2, il a vraiment de la résistance. Si vous me mettez devant comme ça, vous impossible appuyez de bouger. Vous appuyez pour l'instant, ce qui n'est pas dans sa région. So you provide resistance while they push down. And go to the next number then. Push down. So when I feel nothing, I can push back. Quand il n'y a rien qui vient, on ne peut pas push back. C'est chiant, Cédric. Hein. Okay. T'as envie de résister. Hein. Tu te dis, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Mais... Voilà, donc ouais, c'est alors j'ai un petit commentaire de Martha, qui est une fidèle internaute et qui suit pratiquement tous les lives. Martha qui met c'est passionnant, mais c'est à la fois perturbant. Martha, c'est mon job, je suis un perturbateur. Si vous ne changez pas les choses, si on ne réfléchit pas, si on est aux mêmes choses, les mêmes effets. Donc, si on veut avoir un résultat différent, faut faire des choses différentes. Donc, on est là justement pour qu'on se pose des questions, qu'on cherche et qu'on sorte de notre zone de confort. J'avais une autre question d'internaute Julien. Est-ce que Right Balance est utilisé chez des pros? Et est-ce qu'on peut voir justement chez certains joueurs des profils différents? Alors, je sais que c'est une question qui revient très souvent, comme pour Action Type, il y avait eu la même question, pour YoSwing Dynamic, il y a eu la même question. Alors, les joueurs professionnels qu'on connaît tous à l'heure actuelle sur les circuits ont un équilibre parfait naturellement, ils l'ont travaillé, ils l'ont trouvé. De temps en temps, au détriment d'ailleurs de leur physique, ouais. Parce que certains sont blessés. Donc peut-être justement qu'ils auraient pu éviter ces blessures-là. Mais il y a des jeunes joueurs qui sont entraînés par Doc Wright, des enseignants aux États-Unis, ils sont quand même assez nombreux maintenant à utiliser ça. Donc des jeunes joueurs qui utilisent, bien entendu. Des joueurs français également. Alors je pense à Xavier Poncelet, ouais. qui a utilisé justement ça avec son frère et John, mais d'autres aussi, puisque John l'a utilisé avec pas mal de joueurs français ou de jeunes joueurs français. Donc il n'y a pas de grand nom, ouais. Si les gens attendent ça, il n'y a pas de grand nom qui utilise ça. Ensuite, il y a des observations, par contre, que l'on fait assez rapidement sur des profils qu'on va retrouver. Donc nous, c'est vrai que si on les fait par rapport à White Balance, on va parler de upper core, middle, lower. On retrouve des choses communes chez certains joueurs, mais toujours différentes. Il n'y a pas deux swings identiques. Donc, on sera de toute façon, moi, je,
Je dis souvent à mes élèves qu'on a sa signature. On a sa signature de swing. Un élève, je peux l'entraîner pendant pas mal de temps, ne pas le voir pendant 5 ans. Il peut avoir progressé énormément ou pas. Je le reconnaîtrai, je reconnaîtrai son swing. Sa ouais. signature, elle sera toujours. Alors c'est marrant que tu vois, je vais le noter. Hein, j'ai toujours mon petit carnet à côté. Je vais noter signature parce que moi j'appelle ça l'ADN, mais on est sur la même chose. On va montrer des images de joueurs. Là, par exemple, on a Patrick Reed et Phil Mickelson qui sont upper core. Là, après, j'ai Tiger Woods et Adam Scott qui sont plutôt middle core. Et puis ensuite, j'ai Paula Creamer et Henrik Stenson qui, eux, sont plutôt lower core. Alors, est-ce que dans la... Puisque là, on voit que les postures sont différentes, donc évidemment, le swing va être aussi différent. Est-ce que dans la mise en place, suivant comment je suis profilé, puisque je t'ai appelé tout à l'heure dans le reportage un profiler, est-ce que la mise en place de ma posture va être différente suivant mon profil ? Déterminante. Ah, ok. Bon, donc ma question est pas mauvaise. C'est même indispensable. C'est très simple à comprendre. Et c'est très simple à observer chez les joueurs. Ok. Donc, on va avoir le joueur lower core est un joueur qui place en premier son bas du corps pour ensuite placer le haut du corps. Alors. Ce qui fait que naturellement. Oui. Ouais. Vas-y, Rémi. Donc là, j'ai à l'écran, on ne te voit plus, hein, puisque là j'ai mis en plein écran donc quelqu'un qui est en lower core. On te reconnaît en train de montrer. Donc c'est quelqu'un qui a plutôt un centre d'équilibre dans le bas du corps. On le voit avec les 1, 2, 3, les traits bleus. Donc c'est quelqu'un qui serait plutôt sur le milieu des pieds, la plante des pieds, c'est ça ? C'est ça. Ok. C'est ça exactement. Et donc, quand on se place, on incline les jambes en premier, puis après le buste, c'est ça ? Exactement. D'accord. Donc exactement. Là, on te voit en image, on est impeccable. Oui. Voilà, il y en a même qui peuvent faire des captures d'écran ou regarder en replay, c'est très intéressant. Donc, ça veut dire que... Et quelqu'un qui serait en middle core, alors, vas-y. Alors, le middle core, déjà, je vais revenir juste sur le lower pour... Si vous observez bien Dustin Johnson, qui est un des joueurs aussi typiques, on va dire, lower core, très souvent s'installe d'abord bien le bas du corps pour ensuite aller incliner le buste. C'est quelque chose qu'on remarque tout de suite, qui a une influence ensuite sur la manière dont les mains vont se placer devant le corps. Tout est lié, donc c'est ça qui est assez fantastique, c'est que tout est lié, mais tout devient cohérent. Donc ça amène beaucoup de réponses par rapport à ça. Le middle, il met les deux en même temps. Hop, 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 l'assistant ne suit plus. Ah, ça y est, j'y suis. Alors, le middle va mettre les deux en même temps. Les deux parties, le bas et le haut, ils s'ancrent un peu plus dans le sol en même temps. Mais vous pouvez le faire tout seul, vous verrez que le poids va changer. Hein. Ouais. Et les upper core vont avoir tendance, bien sûr, à placer le haut corps d'abord pour ensuite... Fléchir les jambes, j'aimerais pas dire fléchir, j'aimerais même juste dire déverrouiller les genoux. Eh ben, si tu as envie de le dire, vas-y Julien, ne te gêne pas. Je dis déverrouiller les genoux. Maintenant, ce qui est intéressant par rapport de toute façon à ces différentes postures, c'est que sur les images que tu as montrées, une chose, alors faut être fin observateur, c'est des photos que j'ai fait pour un magazine. Il y a, je suis middle core. Mais quand je dans mes positions upper core ou dans mes positions lower core, mon bassin n'est pas aligné au départ. Mais en respectant la manière de me mettre en position, ça me rééquilibre le bassin et je suis square au niveau du bassin. Ce qui est assez bluffant. Alors c'est difficile à vous montrer. Je pourrais même lever et vous alors, faire en direct. On l'a vu sur la vidéo avec Cédric Arcivaux. Il avait une baguette attachée aux hanches. Et en fait, suivant l'équilibre, on voyait que la baguette de... Voilà, ouais, exactement. Hein. On te voit...
D'accord, on te voit avec le tendeur et la baguette. Ça veut dire que suivant l'écartement de mes pieds, je vais retrouver la baguette graduée là. Voilà. Suivant l'écartement de mes pieds et où est-ce que je mets mes pieds par rapport aux autocollants de couleur, ça va influencer l'alignement de mes hanches. C'est ça hein, aussi. Alors, l'idée, c'est d'être rééquilibré. Ouais. Nous, c'est ce qu'on veut là-dessus. Par contre, en fonction des écartements, oui, le bassin, comme les épaules, comme tout, on a un déséquilibre. Alors, c'est pareil, c'est scientifique, hein, c'est des plans qu'on a en nous. Et j'ai eu un ostéopathe qui était venu dans une formation une fois et qui comprenait des choses que moi, je ne comprenais pas, mais qui trouvait ça aussi très sympathique. Et j'en ai discuté aussi avec un éthiopathe. Donc certains ne connaissent pas, mais c'est comme un ostéo, mais c'est mon éthiopathe qui trouvait ça pareil, qui avait fait des choses sur la posture urologie et qui retrouvait des choses là-dessus et qui l'intéressait d'ailleurs. Donc je pense qu'un jour il creusera un peu plus le sujet. Mais oui, quand on n'est pas dans le bon écartement, on a un déséquilibre. Donc on peut le rééquilibrer par une position que l'on va mettre en place, où on a une position dans laquelle on est déjà équilibré. C'est là où on fait des choix avec le joueur aussi par rapport à son passé, par rapport à ce qu'il souhaite faire, par rapport... voilà. Par contre, peu importe la solution que l'on va prendre, on aura une base qui sera stable. D'accord. Alors, base stable, c'est pas en termes d'équilibre, c'est une largeur dans laquelle il va être, un angle de cuisse dans lequel il va être, le fameux power angle, je sais qu'on aura peut-être le temps d'en parler. On va en parler un tout petit peu après. Alors, moi, je voulais en même temps remercier parce que je fais ton assistant et je passe les images en même temps que tu expliques. Et pendant ce temps-là, il y a Laurent Poncelet qui répond aux questions que les internautes posent sur le... pose sur la barre de commentaires. Là, le truc, il est vraiment bien ficelé. On a David Guéné qui rajoute des petits commentaires. On avait John Lawson qui nous a fait part de son expertise, pareil dans les commentaires. Et on est rejoint par Jean-Philippe Serre, qui est aussi un enseignant de golf. Je voudrais remettre, parce que j'aime bien ces petites vidéos, ces petits témoignages, je voudrais remettre une vidéo d'un pro, un enseignant, qui nous montre que tout ça est la vérité et qu'il n'y a pas de trucage. Vous allez voir comme ça a perturbé l'écartement des pieds, perturbe la façon dont on prend le grip. Regardez bien. Vas-y, refais la démo. Donc là, tu es dans ta région. Upper core, routine upper core. Tac, tac. Ok, les bras relâchés. Tu passes en lower core. Attention, le shaft clean. Oh là là, moi, putain, l'impression que tu fais exprès. Je sais, mais on a l'impression que tu. C'est pour ça que je filme, parce que tout le monde me dit, mais s'il l'a fait exprès. Tu l'as fait exprès ? Je fais pas exprès, non. J'aime beaucoup. Je ris à revoir cette vidéo parce que le pro, je crois que c'est un pro qui est en région parisienne et qui dit ah non mais les gars je le fais pas exprès, non je le fais pas exprès, et c'est Laurent Poncelet qui filme et qui dit non mais c'est pas possible. En fait, suivant l'écartement de ses pieds, ça lui modifiait complètement l'alignement de son club. C'est assez impressionnant. Alors je réponds à une question de Bruce qui dit mais la largeur du stance varie suivant les clubs. Donc comment on peut faire, et je remonte en même temps la baguette. Donc suivant si j'ai un wedge ou un driver, comment je vais faire, Julien? J'ai pas la réponse. Non. Si, bien sûr. Alors,
On a parlé là, les 9 positions, c'est des positions sur lesquelles on peut tester, sur lesquelles on va se rééquilibrer. Une fois qu'on a notre région dominante, on va être plus facilement équilibré dans cette région-là. Et on a une deuxième baguette. Je vais vous montrer ici. Où là, j'ai tous les écartements middle core qu'il peut y avoir pour moi. Et donc, dans tout cela, en faisant des 5 minutes d'exercice d'échauffement, je vais être équilibré dans tous ces écartements-là. Donc, je peux facilement trouver les réponses de instant C3 si je veux en avoir un peu plus, ou alors pour le drive. J'ai de toute façon tout ça. D'accord. Alors, c'est exactement... c'est génial. L'émission, elle est top. Et c'est Jean-Yas Mouika qui dit « Ouais, les gars, l'émission, elle est top. » Moi, j'adore parce que j'ai Julien, moi, je mets les photos, et j'ai John Lawson qui répond, donc qui met... oui, il y a plusieurs possibilités de largeur de stance par région de corps, et toi, tu montres la baguette en même temps. Laurent Poncelet qui répond. Et parce que, oui, j'étais pas sûr de moi, donc j'ai préféré ne pas dire de bêtises. Le témoignage, c'était Cédric Doucet qui est en effet le pro qui avait fait la formation et qui était déstabilisé par le... Donc voilà, et en plus, on répond aux questions des internautes. Les couleurs, Bertrand, tu pourras les revoir... tu pourras les revoir si tu regardes en replay, mais regarde parce que je suis sympathique, Bertrand, je te remontre les couleurs, donc rouge, noir et bleu, et je te remontre même le squelette. Voilà. Alors, on a évoqué le sujet. Là, ça devient plus pointu. Tout à l'heure, tu as parlé de l'angle que forment les bras lorsqu'on les laisse pendre. Alors, ça n'est pas par rapport au... voilà, ça n'est pas par rapport aux petites cartes de visite que tu avais dans les mains. Là, moi, je voulais qu'on parle de ce que tu as prononcé tout à l'heure. Qu'est-ce que le power angle? Alors là, tu m'impressionnes. Parce que dans power angle, il y a power... Donc là, j'imagine bien que ça va déménager. Là. Exactement. C'est tout à fait ça. Le power angle, c'est une mesure que l'on prend. Une fois que l'on a, bien sûr, bien entendu, son écartement et qu'on a déterminé ses préférences, parce que sinon, il ne sera pas assez précis. Donc, on détermine et on mesure cet angle-là. C'est... Petite parenthèse, le moment délicat, puisque là, la mesure n'est pas si simple à faire. On a un niveau. Tous ceux qui vont vous le faire utilisent un niveau. Et avec, justement, pour mesurer un angle, pour être sûr de trouver le bon. Donc, c'est pas si évident. Mais cet angle qu'on appelle le power angle, c'est un angle qu'on va retrouver ensuite quasiment partout dans le swing. Donc, dans le swing de golf, mais... Il y a un article de Doc Wright où il le compare aussi au baseball et on le retrouve également dans le baseball, donc on le retrouve dans plein d'autres sports. C'est ça qui peut être très intéressant. Mais en ce qui nous concerne, pour le golf, on va le retrouver pour tout le monde, pour tous les joueurs, sur l'angle des cuisses par rapport au sol. Ça va déjà être déterminant. Ça vous donne comment vos cuisses doivent être inclinées par rapport au sol. C'est la même chose que le power angle. Ensuite, on le retrouve au niveau de l'inclinaison du shaft qui va y avoir ici, au niveau à ce niveau-là également. J'essaye de montrer, c'est pas évident. Ouais. On va le retrouver en position d'impact. On va le retrouver à tellement d'endroits. Alors, on va pas le mesurer à chaque fois, mais ouais. En tout cas, c'est assez impressionnant de voir qu'on peut le retrouver facilement cet angle-là sur plein d'endroits. Dans le swing. Je ne m'amuse pas à les mesurer et on ne peut pas les mesurer en live comme ça. Alors, peut-être maintenant qu'avec les nouveaux outils, mais là, seul John ou Guillaume pourraient le dire avec Gir. Ouais. Ouais, s'ils peuvent mesurer peut-être cet angle, ce serait intéressant de voir. Mais c'est vrai que, en tout cas, sur ce qu'on remarque, sur les cuisses, c'est quelque chose qui donne des résultats très rapidement, qui rééquilibre le joueur automatiquement. On le fait par rapport à son power angle.
J'ai Christophe qui dit oui, mais quand on joue sur le terrain, on n'a plus la baguette. Là, je vais commencer la réponse en disant oui, mais c'est exactement pareil pour l'alignement, c'est exactement pareil pour quand tu prends ton grip ou il y a une phase d'apprentissage au practice où tu vas créer tes repères que tu vas ensuite emmener sur le parcours. Donc c'est ce qu'expliquait Julien tout à l'heure pour les trois régions. Tu as à chaque fois trois largeurs, donc stance étroite, stance moyen et stance large. Tu t'entraînes aux practices et tu les retrouves avec l'aide de la baguette au départ, et puis après tu l'emmènes sur le terrain. Non, c'est comme ça que tu le vis, Julien? Oui, alors de toute façon, c'est souvent une question qui revient quand on fait des formations sur des demi ou des journées complètes avec les élèves. C'est la première question qui arrive. Mais comment je vais faire quand j'aurai plus la baguette? La baguette, elle n'est pas magique. La baguette, elle aide. En deux séances de practice et deux, trois séances chez soi, dès qu'on se connaît un petit peu, on ressent tout de suite les choses. Et après, il peut y avoir des petites astuces que l'on découvre qui sont personnelles, puisque dans les nombreux tests que l'on fait, on va s'apercevoir qu'il y a un test qui nous dit « Tiens, celui-là, il me parle énormément. Du coup, quand je me suis dans le bon écartement, ce test-là, je le valide facilement et donc ça me permet de retrouver mon bon écartement. » Donc, les joueurs trouvent des solutions. C'est ça qui est très sympa. Mais c'est du ressenti, on le ressent. On sait qu'on va être bien. Et c'est simple, hein, c'est vrai que certains vont me reconnaître là pour ceux qui ont fait ça avec moi, mais moi je m'amuse de temps en temps avec le joueur que je suis. Je lui dis là, t'es sûr d'être bien? Puis il réfléchit, il me dit non, en fait je suis pas sûr. Donc soit on prend la baguette, on vérifie, soit ici je suis bien. Et quand il me dit ici je suis bien, si je prends la baguette, il est dedans à chaque fois. Je remontre la baguette, je la laisse en dessous. Alors évidemment, hein, parce que là il y a des questions. Comment je peux savoir où je mets les autocollants, comment je peux connaître mon écartement? Ben ça s'invente pas, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut pas naviguer à vue. Il y a un moment, il faut aller voir des spécialistes, des gars dont c'est le métier, qui ont fait la formation et qui vont vous faire gagner du temps. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est à aller sur le site internet dont j'ai laissé l'adresse, hein, ridebalance.com. C'est regardez, soyez curieux, et puis après, ayez envie de sortir de votre zone de confort, et puis contactez Julien Desnu via Facebook ou sur Internet, allez voir John Lawson si vous êtes en région parisienne, Julien Desnu est en Normandie, vous avez Laurent Poncelet qui est sur la côte basque, il y en a encore plein et partout en France, et soyez curieux, et eux vont vous faire les tests. Et vont vous trouver la bonne taille de grip, vont vous trouver la bonne largeur de votre stance. Moi, ce que j'aime vraiment, Julien, là, lorsque tu présentes ce protocole, c'est que pratiquement à aucun moment, hein, vous pourrez regarder en replay ce que je suis en train de vous dire. Même quand tu as parlé du power angle, et pourtant ça porte bien son nom. Jamais tu n'as vendu entre guillemets ou fait la promotion de Right Balance en termes de puissance ou de longueur gagnée au drive. Je trouve que tu es très bienveillant. C'est le mot qui te qualifie. Je trouve que tu es bienveillant et que la priorité, c'est de prévenir les blessures. Et tu vois dans cette façon de faire une amélioration du confort de tes joueurs. Ça je trouve ça vraiment tout à ton honneur. Voilà. Je tenais à te le dire. C'est très gentil. C'est vrai que c'est de toute façon la recherche de puissance, elle va être sûrement sur du un peu plus haut niveau où on va aller grappiller quelques miles. Chez les élèves
j'ai moi, c'est que j'adore, qui sont très variés, il y a de tout. C'est beaucoup sur le bien-être, c'est beaucoup sur pas de blocage. C'est quelque chose qui me voilà. Je veux pas que le joueur sente un blocage quelque part. Je veux pas qu'il se fasse mal, tout simplement. C'est important pour moi. Donc là, je suis arrivé depuis peu de temps en Normandie. J'ai commencé donc à travailler dans un golf. Et c'est vrai que j'ai eu des retours par rapport à ça de gens assez positifs qui me disaient bah, « Tiens, avant, j'avais un peu mal au dos. Maintenant, je ne l'ai plus du tout. » ou des choses comme ça. Et c'est super. Où je retrouve du plaisir à jouer. Moi, ce que je veux, c'est que les gens prennent du plaisir. On est là pour les guider. On est là pour les aider. Et je vais faire une toute petite parenthèse. Vas-y. Qui va sortir en voiture. Ça va prendre 2 minutes. Vous allez juste entendre la voiture partir. Non, pas très. Ça prend 2 minutes. Et puis c'est pour revenir. Attends, on va laisser partir la voiture. Ouais. Alors pendant ce temps, il y a Martin Coulon qui nous demande par rapport à tes préconisations et par rapport à ce que les élèves préféraient, est-ce qu'il y a des grosses différences? Alors déjà, je salue Martin, parce que Martin, c'est pour l'anecdote, hein, je le connais depuis que j'ai l'âge de 13 ou 14 ans. Ouais. Donc on a la chance d'évoluer ensemble, et puis voilà, c'est devenu un très bon journaliste. Oui, il y a eu des gros changements, mais je reviendrai à ce que j'ai dit une chose à un moment au début, c'est souvent des choses que les gens avaient déjà fait avant. D'accord. C'est-à-dire qu'ils jouaient comme ça, soit de manière naturelle, soit parce qu'ils se sentaient bien, mais qu'à un moment donné, ils ont voulu changer parce qu'on leur a demandé, mais ça leur correspond pas. Donc, il peut y avoir des très gros changements, mais après, on reste toujours, encore une fois, on reste toujours à l'écoute du joueur. Et si le joueur se sent bien, qu'il se dit, moi, quand je fais ça, je me sens bien, et en plus, tu me dis que c'est ce que je dois faire. Là, on est en plein dedans. Et si on est en contradiction à un moment donné, et ce que j'adore aussi, parce que justement, moi, ce que je veux, c'est me poser des questions sur comment trouver la solution. Donc, quand on est en contradiction, on a d'autres solutions. Donc, on va chercher ailleurs, on va chercher d'autres choses. Il y a des gros changements, alors, notamment sur la taille de grip, où ça peut être assez perturbant. Mais dans les deux sens, hein, dans des grips très fins comme dans des grips un peu plus gros. Plus souvent, le changement, ce qui est assez en tout cas concernant les hommes, ce qui me fait sourire, c'est quand on leur dit qu'il leur faut un grip plus gros, le lendemain ils vont le changer, mais si on leur dit qu'il faut un grip plus fin, ils ont plus de mal à l'accepter. C'est souvent quelque chose qui est assez, assez drôle. Maintenant, il faut que, j'ai envie de dire, si dans les 10 premières minutes, l'élève ne le sent pas, ou il ne se sent pas bien, moi je change. Ouais. Je change. Ouais, on n'insiste pas. Du coup, on est bien d'accord, et c'est ce que tu as dit en début de live. C'est que pour toi, c'est un outil supplémentaire au même titre que la vidéo, que pourrait l'être un trackman ou. Tu t'en sers pas forcément à toutes les leçons. Il y a des fois où tu t'en sers, mais pas de la totalité. Donc c'est un outil et tu t'en sers pas dans toutes les leçons et pas avec tout le monde, et c'est pas devenu un automatisme, c'est ça? Exactement, c'est loin d'être devenu un automatisme. Ça m'a aidé aussi dans la cohérence biomécanique du mouvement pour le travail de tous les jours. Maintenant, tout ce qui concerne vraiment l'écartement des pieds précis, ça demande du temps. Ouais. Faut le savoir, c'est que les mesures demandent du temps. L'expliquer aux gens demande du temps. C'est pour ça que pour moi, le format de le faire sur des demi-journées ou des journées avec plusieurs personnes est le format le plus adapté pour vraiment vraiment en profiter un maximum. Ouais. Et donc, avec Cédric Arcivo, justement, que tu as mis en vidéo tout à l'heure, ouais. On a eu une cinquantaine de personnes sur 4 dates à Saint-Marc. Donc, c'est quelque chose qui fonctionnait très bien. Les gens étaient vraiment ravis.
ils reçoivent à la fin un débriefing sur ce qui leur correspond, sur tout ce qu'on a fait dans la journée. Et c'est une base de travail ensuite pour aller travailler avec n'importe qui. C'est moi ce que j'aime bien là-dedans, c'est que quand on faisait ces formations-là, il y avait des élèves de Cédric, des élèves à moi ou des élèves qui étaient même ni de Cédric ni mes élèves à moi, mais qui venaient et ensuite qui repartaient voir leur prof avec ce qu'on leur avait dit. Ouais. Ça, je trouve ça génial. Ouais, ouais. Moi, c'est quelque chose de fantastique. C'est que si je peux apporter des réponses à un joueur sur cet élément-là, mais qu'ensuite il travaille avec son pro du club ou le pro avec lequel il a l'habitude. Et bien entendu, c'est pas ouais. du tout ma recherche. Tu apportes une expertise et après l'élève retourne voir son pro habituel et voilà. Julien, un grand merci. On arrive à la fin de ce live. Alors d'habitude je laisse mon invité partir, mais là on va clôturer cette émission ensemble. Et pourquoi ? Parce que je pense que tu te joins à moi pour remercier les pros, tes collègues qui nous ont suivis toute l'émission. Donc un grand merci à Laurent Poncelet qui a répondu à plein de questions d'internautes, ce qui nous a permis justement de moins hacher et de moins entrecouper ta présentation. Donc c'était beaucoup plus fluide, c'était beaucoup plus sympathique aussi pour toi. Un grand merci à John Lawson, pareil, d'avoir répondu, participé et apporté son expertise. Encore une fois, je le dis, Julien, ce que j'adore dans ton témoignage, c'est que tu te sers de cet outil, que tu n'es donc pas dans l'esprit du formateur, ni formaté, ni formateur, et que c'était un vrai témoignage. Et au nom de tous les internautes, et c'est pour ça qu'on va faire cette fin d'émission tous les deux, te remercier pour ta bienveillance, parce que c'est vraiment ce qui ressort de toi. Tu fais vraiment ce métier pour donner plus de plaisir aux gens. Et comme je l'ai dit dans une émission il n'y a pas si longtemps, je pense que ça n'est pas parce que on joue bien qu'on s'amuse, mais c'est parce qu'on s'amuse qu'on prend du plaisir et qu'on finit par bien jouer. Et ça, je crois que tu l'as bien gardé à l'esprit. Voilà. Écoute. Merci beaucoup. Non, c'est encore une fois, c'est moi qui te remercie, Julien. J'espère que nous aurons provoqué de la curiosité chez les internautes et qu'ils ne seront pas timides et qu'ils vont oser te contacter pour tous ceux qui sont en Normandie. N'hésitez pas à contacter Laurent Poncelet pour ceux qui sont plutôt au Pays Basque, et puis John Lawson dans la région parisienne. Évidemment, j'en oublie parce que il y en a partout en France. On a parlé tout à l'heure de Cédric Arcivaux ou Cédric Doucet. Voilà, je m'excuse de ne pas connaître tous les Ride Balance certifiés en France, mais en tout cas, il y a un réseau et je pense que vous allez vous envoyer les adresses les uns les autres. Voilà. Merci donc à tous de nous avoir suivis et d'avoir été fidèles de la première minute jusqu'à la dernière minute de ce live. Et on se retrouve demain matin à 11h. Je serai dans mon jardin et je vous proposerai demain une émission un petit peu spéciale puisque je serai dans mon jardin avec des livres et on fera une espèce de mélange entre ce que j'ai trouvé dans les livres et je le mettrai concrètement en action dans mon jardin. Et évidemment, je répondrai à vos questions, donc demain à 11h. Après, il y aura à 14h Guillaume Biogeau qui reprend les différentes étapes du swing. Et à 17h, vous aurez Lewis Wallace. Voilà, écoutez... vous le savez, restez à la maison et plus on restera à la maison et plus vite nous en ressortirons pour aller jouer au golf et pourquoi pas utiliser les bons conseils de Julien et de Ride Balance. Allez, bonsoir à tous.